Je vais watch partie demain pour les finales et demi. Ah oui, ça va être demi-finale, ouais. Je sais pas. Merci Viresme. Les joueurs se doivent d'être exemplaires. Après, ça se plaint des communs de full toxique. Bah oui, après, bon, le trash talk, ça a toujours été là. Moi, j'ai horreur de ça et j'ai toujours dit, donc ceux qui me disent que je défends, merci à vous, mais j'ai toujours dit, l'époque Call of Duty a été la pire époque au monde au niveau de ça. Je trouve ça bien, mais le problème c'est que peu de gens savent doser, et voilà, dans ces moments-là, c'est très dur. Mais je trouve par contre que, oui, après, moi j'avoue que j'ai jamais été trop dans ce truc-là. Mais après, il va prendre une amende et puis c'est tout, arrêtez de chialer, hein. Ça va, y a pas non plus tuer quelqu'un, hein. Ouais, quand même, attends. Il y a des mecs qui trash talk H24, les mecs qui disent que c'est des génies et quand ça leur touche leur équipe, c'est plus des génies, s'il te plaît, s'il te plaît. Je dis pas que Drofigno est un génie, mais bon, faut doser quand même. Yon Albino. Attends, Zen qui faisait un doigt d'honneur, je jure que c'est vrai, hein, je jure que c'est vrai. Ouah, Zen le génie! Là, les fans de Drofigno, ils disent, mais le génie! Il a préféré lâcher son cash prize et faire ça que prendre le cash prize, incroyable! Qui doit quitter Vitality selon toi? Hop 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 hop! À tous les connards, déjà, c'est une folie, hein, parce que là, regarde, les pseudo-supporters, il y en a un, hein, j'ai vu des commentaires et tout. Les pseudo-supporters de Vitality, les worlds arrivent, les joueurs vont voir les tweets, et les mecs disent oh, Zen 1v3, force à nous pour la suite, va falloir virer tout le monde sauf Zen. Stylé le supporter. Stylé avec les worlds qui arrivent. Je pense que c'est pas mal. Ah oui, il a tout compris. Impeccable. Genre vraiment, mais tu te dis du coup, bah, t'es supporter ou t'es qui? Les mecs ont même pas la décence. Nickel, ouais. Les mecs ont même pas la décence ou l'intelligence d'esprit de se dire, bah je suis pas non plus un connard et je vais peut-être attendre un mois et demi avant de dire que tout le monde va se faire kick. Puis je vais quand même supporter l'équipe et on verra les changements au moment des changements. Ça, c'est peut-être intéressant aussi. Après, là, le résultat, bon, voilà. Bah, je pense que ouais, ils se sont réveillés carrément trop tard. Ouais. Bon, moi, je vais pas me faire farmer par Yannon ce soir. J'espère qu'il va pas rallumer le PC. La séparation de l'équipe va briser leur amitié, non. Non. Après, ils vont peut-être pas se séparer, les gars. Attendez, là, vous dites ça, à croire que Vitality peuvent absolument pas gagner les Worlds, par pitié. Mecs qui sont si dingues en Europe, il y a des mecs qui s'alarment, par pitié. Mais tu sais, mais c'est la culture de l'instant, mais vraiment, mais ça a toujours été comme ça en fait. T'as beau avoir. Et là, c'est la meilleure équipe d'Europe, entre guillemets. En tout cas, ils sont site 1, site 2 ou site 3 très proches, j'en sais rien. Les mecs, ils sont là. L'horreur. Hein. La théma BDS, pareil, 8ème. Est-ce qu'on dit. Calmez-vous, hein. Ah, c'est vrai que. Mais ça, quand t'es joueur, tu te dis, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Franchement. Après, franchement, Yannonx, il était chaud. Hein. Vraiment, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu le tweet où il avait eu 1000 points dans une game. Donc, à mon avis, il a fait une game de fou furieux. Mais ce mec-là, il est trop chaud. Ouais, je pense qu'il a bien step up quand même. Après, il y a des supporters bienveillants. Ah oui! Non, mais attention, non, non, mais oui! Mais oui, mais tu sais, dans la vie, on retient toujours plus le négatif que le positif. Et je n'en fais pas l'exception!
Juicy Prime aujourd'hui le dop. Ah ouais, bah oui, j'avais dit, hein, M8, j'avais dit qu'ils allaient tout cartonner. Bah franchement, je pense que ce qui est con pour Vita, c'est que le comeback était tout droit. Je pense que Zen s'était bien éveillé. Enfin, j'ai pas regardé le premier match, mais Zen en tout cas avait l'air chaud, chaud à la fin. Et en vrai, ils se prennent un vieux but de merde où Radzeuz aurait la frôlé, donc est-ce qu'il peut l'avoir ou pas? Je pense qu'il peut, mais bon, c'est toujours dans ces moments. Le problème, c'est que ça paraît facile en replay, mais quand le mec tire, on s'est tous déjà fail comme ça. Et c'était vraiment pas si facile que ça. Puis je pense qu'ils étaient bien partis pour le comeback et... Ouais. Il a manqué de la... Encore, tu perds deux games d'entrée, bon, tu 2-1... Voilà, 3-0 en BO7, évidemment que ça pique la gueule, hein, franchement, je pense. Ça, c'est clair. Ouais, je crois que j'ai trouvé ma DioQ. Hein. J'ai trouvé ma DioQ. Finis tes phrases, s'il te plaît. Je finis toutes mes phrases. Bah, le connard. Oh, putain. Game de chauffe, game de chauffe, s'il vous plaît. Game de chauffe, s'il vous plaît. Ça va, ça va, ça va, ça va. Une game de chauffe n'a jamais tué personne. Ah, la vache. Oh! Oh! Il a failli faire le move! Merci Risco pour les 48 mois de sub. Oh, tir de fou! But. Oh merde. Bon, j'ai dit belle passe, mais bon, c'est grâce à un bon joueur C que je suis pas toxique. Bio Clément. Oh, j'ai cru qu'il me faisait un Spanish. Aïe 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 aïe. Fais un fuck au viewer. Oh non, je n'oserais jamais. Après, moi, qui va me mettre une amende? Qui va me mettre une amende? J'aimerais bien savoir l'amende. Je suis sûr qu'il va se prendre une amende, c'est sûr. Je peux pas penser que ça passe. Déjà, c'est tweet et tout, en vrai, il est obligé. Mais alors là, le montant sera-t-il dévoilé? Sera-t-il public? That's the question. J'essaierai de... Nous en... non. Mais Clément, ça va et toi? Okay. On attend tes informations, ouais. Mais oui, là, il y a 1-1 balle au centre entre Furia et Vitality, les gars, vous inquiétez pas. T'as sorti le Marcel ce soir? Oui, oui, mais voilà, on parlait pas. Je pensais pas que ça donnait ce rendu et j'en suis très content. Le kiff. Life is cool à tweet sur le doigt de Furia. Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Du coup, ça tolère l'harcèlement. Quelqu'un peut le ban. Ban.
s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quelle indignité! Oui, non, mais vas-y, s'il te plaît. Bonne def pour ça, le dos. Bah oui, bah oui, quand tu dis que je te l'ai harcèlement, ouais, je te bonne def, ouais. Le mec, il voudrait que je chiale dans mon lit, là, à l'heure actuelle, en faisant un tweet, c'est honteux. Alors que c'est juste au finio, voilà, il va se taper une amende, et puis c'est tout, qu'est-ce que je te dis? Je vais pas chialer avec toi, je chiale dans ton coin, hein, viens pas sur mon chat me faire chier. Lui, je vais le ban. Lui. Mieux en silence, oui, voilà. Surtout qu'on s'en fout, oui, non, mais tu sais. Genre, Vitality, hier, on fait la. J'ai pas vu en fait, mais à ce qui paraît, Vitality, on fait l'annonce de la lose. Là, ils ont regagné le match un peu plus important, donc automatiquement, ils ont peut-être mal pris hier, et puis ils leur font là, Drofinho qui a fait ça, il va se tromper une amende, puis voilà, mais t'as le mec qui dit ça te l'air là seulement, nique ta mère. Et vraiment, c'est juste, malheureusement, voilà, Drofinho, il s'est excusé, il va se taper une amende et puis terminé. Ou peut-être un match de suspension. C'est qui leur sub? Peut-être un match de suspension pour le doigt d'honneur. Qui prend les paris? Oncle Bill in? Ah là, il va regretter de ne pas avoir coach Oncle Bill, hein. C'est vraiment lui. Ça restera la plus grande. Mais il était destiné à qui le doigt? C'est pas un viewer, je crois. Je pense à un viewer, ouais. À moi, ouais, voilà. C'est qui a pris la responsabilité? Ils ont pas de remplaçant. Ah ouais? Au caméraman, t'inquiète. À Frogdop, ouais. Il était destiné à moi. Non, 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 non. Je prends. Vas-y, vas-y, vas-y. Celui qui dit je prends pour moi, c'est à moi qui faisait le doigt d'honneur. C'est à moi. Il y a 2-3 mois, il jouait le majeur. J'ai dit que Drofinho était un joueur clavier-souris très bon, mais qu'il avait passé un majeur de merde. Et je take le doigt. Je pense qu'il répondait à tous ses haters du premier majeur. Et là, il s'est lâché, quoi. Il s'est lâché. Et... Je suis dégoûté. Mais bon, vas-y, c'est mérité. Je prends le doigt. Take the doigt, vas-y, vas-y. Allez, go. C'est bien. Voilà, en plus, il m'a farmé pendant 3 jours. On sentait bien qu'il avait une rancœur contre moi. Et puis voilà, quoi. Un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. J'essaierai de m'en relever. Drofinho, il joue toujours. Oui, 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 c'est vrai, ouais. Oh, c'est peut-être but, ça? Non. Oh. Oh, le seum. Oh. Oh, c'est pour toi, Risox. Oh. C'est une dédicace? Est-ce une dédicace? Oh, le con. Oh, le con. Ah oui, là, là, je la touche plus, hein. 400 IQ, bah non, mais je la touche plus, du coup. Oh, putain. Bah, le serveur a bugué un peu. Tu regardes l'Euro, le dop? Ouais. Ronaldo, meilleur joueur de l'Euro pour l'instant. Mais l'ancien entraîneur du Portugal avait à boycott, en fait, Ronaldo... Alors qu'ils auraient gagné la Coupe du Monde, donc bon, c'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. C'est vraiment, c'est les stats. Les termes, ouais, c'est les termes. J'ai décidé de dire les termes ce soir.
Combien il a de passes dé, Ronaldo, s'il vous plaît, c'est le meilleur joueur des passes décisives. On sait très bien dans le foot, c'est plus dur de créer l'action que de la finir. Et c'est. Vous pourrez me rappeler ces passes dé, Ronaldo, s'il vous plaît. Merci Laminois. Quand je dis le plus gros, le meilleur joueur, je sais pas si c'est le meilleur, mais enfin en tout cas là, excellent. Il s'est fait boycott pour sa peut-être dernière Coupe du Monde. Et par un mec à qui il avait tout donné. À qui il avait tout donné, vous voyez? Quand vous donnez, vous donnez, vous donnez, on vous crache dans la gueule. Donnez, donnez. Pleure le dope, CR7 finito. C'est que j'ai décidé de pas m'énerver ce soir. Je suis une cure. J'ai plus. Non, non. Mais Messi, il travaillera plus à Miami qu'au PSG. Messi n'a pas aimé le PSG, voilà, c'est comme ça. Les supporters de Messi le savent, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je peux le dire, non? Ou alors on va me traiter de footix? Hein? Je dis pas qu'il a été nul, mais bon, il n'était pas comme un ouf, quoi. Neymar! C'est différent, Neymar était comme un ouf au début, vraiment. Et plus ça a été, plus voilà. Mais c'est pas pareil. Que Messi, dès le début, bon, là, franchement, on peut pas dire que... Après, en vrai, il a fait des bons matchs quand même, il a marqué des beaux buts et tout, mais t'es pas comme un ouf, quoi. Et je pense franchement, ça doit pas être facile d'être K-Dop. M'en parle pas. Je dois switcher entre tous les footix parce que j'aime bien le foot, donc je parle souvent de foot. Donc les footix, les mecs qui essayent de m'apprendre Rocket Tier, qui sont diamants ou grand champion 3, c'est pareil. Hein. Donc oui, il faut que je fasse quelques switches, les mecs. Je parle français, il me parle anglais, après je parle rien, je comprends plus rien. Enfin, c'est sûr que ça doit pas non plus être très facile. Hein. Après, tu sais, quand tu y es, tu t'en rends pas compte. Hein. Je ferai les comptes à la fin. Je commencerai à faire les comptes à la fin. La balle perdue pour les grands champions. Non mais, non mais, c'est, non mais. Attends, c'est comme si je te disais. En fait, regarde. Je ne prends pas, par exemple, Ronaldo. Ronaldo, quand c'est, je sais pas, par exemple, moi, qui ai quand même un bon niveau au foot, ou je sais pas quel joueur semi-pro ou quoi, tu vois, franchement, t'es à la place de Ronaldo. Tu prends l'un ou l'autre, tu le prends pareil. Mais non, que ce soit l'un ou l'autre, Ronaldo va le prendre comme un diamant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. Mais c'est-à-dire, au bout d'un moment, respecter quand même. Il se compte. Non, je crois. Non, c'est une image. C'est une image. C'est une. Je me compare pas à Ronaldo. J'aurais pu dire Mbappé ou Messi. On n'a rien compris. Grosso modo. Putain, c'est facile à comprendre. Quand t'arrives à un certain niveau, Grand Champion 3, évidemment que c'est mieux que Diamant 1, et c'est déjà pas mal, Grand Champion 3. Mais enfin, de mon statut de SSL à 2300 points, voilà. Eh ben franchement, un champion 3 qui essaye de m'apprendre le jeu ou un diamant 1, je m'en bats les couilles en fait. Mais c'est comme ça partout. Et Ronaldo, il s'en bat les couilles du mec semi-pro ou du mec qui a jamais fait toucher un ballon. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est de l'autre rush le truc quoi. Bon, la fête de la musique, c'était bien les gars? Ah, pas très bon orateur le dope. Voilà, j'ai pas été bon ça. Non mais tu sais, faut. Merci M8 Zark pour les 6 mois de sub.
Ok. Oh. Oh. Oh, c'est cadré. Ah, il était cadré là. Ah, il était cadré là. Dommage, oui. Almost. Je vais peut-être en train ce soir là. Je sais pas, j'ai un feeling neuf. C'est quoi? Garde la pêche. Non, non, bah il était cadré. Waouh, dommage, putain. Ah, c'est chiant cette tir là aussi. Bon, tu sais aussi, ça. Aïe. Putain, à 0 seconde, je commence à paniquer là. Ouah, c'est bon. Oh putain. Très bonne game de ma part. Ah, je me suis senti à l'aise tout de suite. T'as des replays de près, hein? T'as un replay de près, Soso? Je suis en train d'y réfléchir là, je reviens vers moi donc. Je trouve que ça allait bien en bleu. Ah non, moi je trouvais franchement, non, je trouvais que ça faisait trop. T'as déjà le maillot, t'as déjà tout, bientôt il va falloir se teindre les cheveux en bleu, blanc, rouge, non. Apollo. Ça est chiant de jouer quand même avec le masque, hein, franchement. Je sais pas si c'est bon après. Mais ça sert à... franchement, ça sert à quoi du coup le masque, sincèrement? À réduire les chocs. Le truc, comment il est fin. J'arrive pas à trop... protéger. Bah ouais, mais franchement, tu veux que ça protège quoi? C'est surtout ça, moi, je trouve. Au cas où... Oh, pardon... Peut-être que la zone d'impact, ouais, ça se... Ah, mais franchement, t'as l'impression que le truc te va pas protéger, quoi. De toute façon, il joue pas de la tête. Oui, voilà. Pour un coup, tu sens rien. Ah ouais? Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais quand il l'a mis, il disait qu'il voyait presque rien. Ah ouais. En vrai, c'est chaud, moi, je trouve. Après, il y a des joueurs qui ont été bons avec le masque. Hein, donc, en vrai, faut peut-être s'y habituer. Hein. C'est comme quand tu mets un casque de moto pour la première fois de ta vie. Hein. C'est chiant, c'est lourd. Et puis après, tu l'oublies. On s'habitue à tout dans la vie. Hein. Le casque de moto, tu vois très bien. Oh, ouais, mais... Franchement, au début, j'avoue que... Bah, faut s'habituer un peu au casque de moto, quand même. Non, putain. Bon, le décal du majeur, je kiffe pas trop, j'avoue. Ouais, je suis en duo, les gars. Wouah, j'ai cru même l'arrêter, pourtant je suis un beau tien. Pour dribbler, ça doit arriver avec un masque, vraiment. Le ballon, bah je trouve ça trop stylé, moi, le ballon, là, hein, vraiment. C'est, je suis content qu'il... Franchement, ça annonce du bon. J'ai l'impression qu'il commence à prendre un peu des décisions à droite, à gauche. Alors, pas des trucs importants, mais... En fait, il y aura peu de trucs importants, en fait. C'est la plupart du temps, on ne demande pas ça. C'est juste à moins qu'au niveau des serveurs et tout, mais...
C'est des petits détails qui font la différence. Donc là, c'est cool, moi, je trouve. Ça rajoute un plus de ouf. Alors oui, ça sert pas à grand-chose. Le ballon, il est beau, il est pas beau, tout ce que vous voulez. Mais au moins, il y a un truc. Et les stats, ça fait des bonnes stats ou pas, là, le Major, par contre? Sur les streams officiels. J'ai l'impression que c'est mort, hein. Non? Il y a beaucoup de viewers, je sais pas, sur le stream officiel, il y a combien? 5 ans de retard, malheureusement. Oui, voilà, c'est... Mais non, mais tu vois, ils le font, donc ça veut dire qu'au bout de 10 ans, ils se sont dit « Ah, ça peut être pas mal !» C'est catastrophique, hein. Parce que les LCS, ça fait longtemps que c'est là, hein. Donc, ouais, c'est quand même un peu honteux, hein. Ça, on va pas... Mais je crois, en fait, c'était Pionic si vous... Ah, putain, fais chier. 60k, c'est vraiment pas ouf, franchement. Après, demain, bon, évidemment, ça va faire plus, mais... Après, souvent, c'est dimanche. Mais ouais, 60k... Ça donne pas envie... Ouais, c'est ouf, hein, franchement. Bon, après, heureusement qu'il y a les Français, quoi. Hein. Les orgues françaises les plus grandes que... Ça booste un peu tout ça. Au World, ce sera 100k. Oh putain, je sais pas. Je crois que... Au World de New York, ça doit être là où il y a le plus de viewers. Hein. Je crois qu'il y avait genre 160 ou 170. Ah, 60. Ah, après, maintenant aussi, les chiffres sur Twitch, on se rend plus trop compte. Est-ce que 60, c'est déjà pas mal? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. C'était combien? Toi, à l'époque, ah non, c'était même 200 000, je crois, nous. Je pense qu'on avait atteint 200 000. C'est sûr. Mais je sais plus pourquoi. C'était le pic free-to-play New York, je pense. Ou un truc comme ça. Mais après, il n'y avait pas les... Attends, il y avait... Et puis encore, il n'y avait pas toutes les orgues et tout. Donc, en réalité, ça aurait fait beaucoup plus à l'époque s'il y avait eu tout l'écosystème de maintenant, tu vois. Donc, ça a quand même pas mal baissé, hein. Ah, c'est sûr, il y avait beaucoup, beaucoup de viewers. Hein. Mais que sur le stream officiel et sur Rocket Baguette aussi, il faisait pas mal. Après, bon, là, ça se dispatche parce qu'évidemment, l'officiel fait moins parce qu'il y a beaucoup de monde sur les autres streams aussi. Donc, faut pas être de mauvaise foi. Mais il y a aussi une grande... Enfin, il y a beaucoup de mecs qui suivent et qui suivraient jamais si c'était pas sur les autres streams aussi, tu vois. Donc, ah, le seum. J'espère que c'est but. Yes, allez, dans son de rêve. Maintenant, il y a le co-stream aussi, ouais. Bien loin de League of Legends. Ah bah, bien loin, oui, des espérances, je pense, de Rocket League. Hein. Sachant que les NA, les viewers en NA, ils sont... Bah... finito pipo, hein. C'est-à-dire que... Le jeu en NA, c'est... Franchement, c'est... Bah, c'est inexistant. C'est-à-dire, il n'y a plus de viewers en Amérique, mais vraiment, pour le coup. Donc ouais, c'est pas que ça fait un peu peur, mais... Oh putain, yes. C'est pas ouf. Ah, les NA ne sont pas là, franchement. Donc bon. C'est un peu triste. K-Dub, pic officiel 468 000 lors des World 2000 cumulés de tous les streams. Ah ouais? Ah, en 2023? Après, là, c'est qu'un Major, ouais, après, je sais pas. Ouais, mais attends. Là, c'est pas en direct que tu m'annonces, c'est pas possible. Ah, quoique, je sais plus s'il y a eu beaucoup de joueurs, je sais pas. Ça me paraît bizarre, 500 000, j'en aurais entendu parler quand même s'il y avait eu 500 000, même avec tous les streams. Non? À moins que je suis fou. Chou. Ça voudrait dire que l'officiel avait au moins 200 000. C'est impossible ce que tu me dis là. 500 000, c'est trop là. Ça doit pas être cumulé, c'est pique. Ouais, ça monte vite, les gars, je sais, mais. On est compte 500 000. Enfin, un peu beaucoup quand même, votre truc là. Hop hop hop! Voilà petite frayeur là! Si personne n'y est allé. Oh la Béclair qui arrive. Oh dommage!
Non, mais ces chiffres-là, faut faire gaffe, parce que des fois, ils comptent les pics, mais le pic all time de tout accumulé, mais pas en direct. Ou... C'est pas trop ce qu'ils disent. Quand... Tu sais, quand ils lâchent leur stream leur stat officiel, ils vont toujours les booster, ça tu peux être sûr. Pourquoi? Bah pour les sponsors. Hein. Il y a plein de trucs comme ça. Non, putain, c'est trop le seum. Genre, il tire direct, l'enfant. Et... Oh, ça m'a trop surpris. C'est ma faute. Putain, j'ai plus d'eau. Oh, oncle Bill. Un collègue. Putain, mais lui va me faire chier jusqu'au bout de ma vie. Tu vas te casser le dos avec ta position par contre. Non? Bah non, je suis bien positionné là. J'ai l'air mal positionné là. Ah non, ouais, attends, j'ai jamais été aussi bien positionné ça. Tu rigoles ou quoi? Putain, hier, fête de la musique. Et de la flotte. Putain, non, c'est cette année là, c'est horrible. Hein. On ne connaît pas le bonheur en Normandie. Ce matin, tennis avec Lemdop. Je me suis cassé la gueule une fois, il s'est ouvert à la main. Bah, impossible, mec, c'est. Il flotte aussi. Incroyable. C'est vraiment, c'est la flotte et la flotte. Le 2 pour prendre des pressions. Bah non, mais c'est ça. Hein. Après, moi, je m'en fous, franchement. Mais là, ça commence à doser, là. Faut... Putain, aujourd'hui, ça a été encore. Enfin, ce matin, non, du coup, sous la flotte. Tout va mal, oui, oui, oui. Faut... Je vais enquêter. Tu l'as lavé, j'espère. 4-7 à 0. Évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, Clumdop, il a toujours... voilà, on joue ensemble, mais... Encore? Ah oui, oui. Quand j'ai besoin de gagner, je demande à Clemdop de faire un tennis, quoi. C'est cool. Si, si, en vrai, il y a des beaux échanges après. Je sais pas non plus. Il fait 30 degrés la semaine prochaine, t'inquiète pas pour le temps. Ah ouais? What? Comment il la save là? Je pensais tellement qu'il allait jamais la save. Allez,
Donc le Bill, 600 points. Non mais j'ai un problème là quand les balles elles sont comme ça là. Oh, putain ça me fait chier de la personne là. Oh le double saut que j'ai mis mon gars. Ah mais j'ai pas vu mes chaussettes, il est au major en fait. Je sais, j'étais même pas au courant. Ben ouais, moi je suis content de partager ma saison de... Enfin, très bonne saison de notre part avec M8 en vrai. On est les deux seules équipes avec M8 à avoir une... avoir gagné quelque chose cette saison, donc on va voir. Bah là c'est sûr, en plus il n'y a plus aucun européen qui peut gagner quelque chose en tout cas pour l'instant, donc très content. Permets-toi le dop. Bah tu m'étonnes hein. Moi les calculs sont vite faits hein. Cette saison qui a gagné un trophée à part M8 et nous cette année? Ça va, et ça, bravo, merci. Attendez, m'obligez pas à ressortir la médaille. Hein. Marcel, pas Marcel, je la sors moi. Vous avez win quoi? Oh putain! Heureusement, je suis toujours prévoyant, toujours à côté, frérot. Hop là. Moi, tu sais, j'aime bien le blabla, tout ça, mais enfin, je préfère les vraies stats. Et oui.